Ce sont des vestiges que l'on découvre au détour d'un chemin. 300 fortifications médiévales éparpillées sur le territoire corse. Mais savons-nous vraiment à quels événements ils font référence ? Ce matin, à l'université de Corte, les étudiants avouent leur méconnaissance de la période. L'histoire médiévale en Corse ? L'histoire dans les villages ? Je ne sais pas du tout, excusez-moi, ça ne me vient pas du tout. Ils organisent des petits trucs à Lévis, trucs médiévaux. Mais après, le plus, je ne sais pas, non. Alors, pour leur permettre de mieux connaître l'histoire de la Corse au Moyen-Âge, une exposition s'est installée au cœur du campus. Le résultat de 20 ans de travail du Centre de recherche d'histoire médiévale. Pendant un mois, les visiteurs pourront y admirer documents d'archives et objets du quotidien. On a un patrimoine très riche, très présent sur l'ensemble du territoire insulaire, qui reste peu connu. Et c'est le rôle, en fait, des historiens, aujourd'hui, de rendre intelligibles ces traces pour le grand public. Aujourd'hui, la méconnaissance du Moyen-Âge en Corse reste complexe. Les archives relatives à cette période sont à rechercher en Italie, en France et en Espagne. L'histoire d'un lieu, elle s'explique par autre chose que lui-même. Paradoxalement, l'histoire médiévale de la Corse, elle n'est pas visible depuis seulement la Corse. Ça veut dire qu'il faut en fait l'appréhender au large. Après l'université de Corte, l'exposition a vocation à s'exporter sur tout le territoire pour amener les Corses à ouvrir les yeux sur les traces laissées par leur passé médiéval.